Bienvenue chez Castel Praliné, je suis Michael Boyer Pereira et avec mon mari Joël Boyer Pereira, nous sommes artisans pâtissiers chocolatiers à Valençay et Châteauroux, dans l'Indre, dans le Berry. Donc Castel Praliné, c'est une pâtisserie chocolaterie artisanale. On fait absolument tout maison, donc tout. On fait aussi un peu de pain, on fait nos confiseries, on fait tous nos chocolats évidemment, tous nos pâtisseries, tout ce qu'on peut faire, maison, on fait maison, et ce qu'on ne sait pas faire, on ne le vend pas. Alors évidemment, chez Castel Praliné, notre spécialité, c'est le praliné. On a le praliné sous toutes ses formes. On a 11 pralinés de base pour faire les chocolats, mais aussi en pâtisserie, on a un gâteau qui s'appelle le Castel Praliné. La particularité de notre praliné, c'est qu'on fait un praliné dit à l'ancienne. On va vraiment travailler avec un broyeur à froid, donc avec les vieilles pierres de meule, pour vraiment sortir tout le suc des fruits secs, pour avoir un praliné qui est très très fort en goût. Et on va travailler surtout pour la couverture qui va aller avec notre mélange de fruits secs et notre caramel maison pour faire effectivement notre base de praliné. Celui qui marche le plus, c'est le praliné donc amande et noisette. On va rester traditionnel. On a aussi des pralinés que Joël a créés, inventés de toutes pièces. Par exemple, on a un praliné sésame, on a un praliné cacahuète, on a un praliné noix de cajou et noix de pécan. Chez Castel Praliné, on est très vigilant sur nos matières premières, puisque c'est la base de notre travail. Et on a de la chance d'être dans le centre de la France et d'avoir aussi des producteurs autour de nous qui fabriquent aussi, qui ont des éthiques aussi. Donc on travaille avec une farine locale, on travaille avec le beurre local, on travaille avec des œufs locaux et aussi avec le miel local, puisqu'on a notre propre miel à l'effigie de Castel Praliné, qu'on va utiliser dans quelques chocolats d'ailleurs. Donc on travaille avec Valrhona puisqu'il y a une traçabilité du producteur jusqu'à nous qui est complètement garantie. Localement, nous sommes assez, même très investis dans le monde de l'artisanat. Je suis moi-même le président des artisans pâtissiers de l'Indre. Et avec le syndicat des pâtissiers de l'Indre, nous avons créé un chocolat, le chocolat officiel du département de l'Indre. Nous sommes 9 dans tout le département à savoir le faire. Pour Joël et moi qui sommes artisans pâtissiers chocolatiers, qui est important, c'est notre équipe. Aujourd'hui, nous avons une boutique à Valençay, nous avons ouvert une boutique à Châteauroux depuis quelques jours, et cette boutique-là, ce nouveau challenge, ce nouveau défi, on ne peut pas le faire si on n'est pas soutenu par notre équipe. On a un petit proverbe avec Joël, on dit tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.